Car c'est en train de déborder. J'aurai une autre catégorie à vous faire dans une prochaine vidéo. Ce sera tout ce qui est produits ménagers et nourriture. Donc on va commencer, excusez-moi, on va commencer par quelques produits ménagers. D'ailleurs, j'ai tellement de produits que j'en ai pris quelques-uns quand même. Alors, bon, ce sera peut-être pas dans l'ordre. Ouais, je ne veux pas tout faire tomber. Donc, premièrement, j'ai terminé des Dash Eleanor avec au parfum bouquet mystère, propreté éclatante, parfum luxueux, douceur divine, soin des fibres. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lessive. Ce n'est pas la première fois que je vous la présente. Donc, vous avez du Eleanor avec. Hein. Vous avez 32 capsules. J'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a même le Eleanor assouplissant. Bouquet mystère, je vous la conseille. J'aime beaucoup ce parfum. Ensuite, des Monsieur Propre. Hein, ça, je vous les présente assez souvent. Gomme magique. Donc, je passe rapidement dessus. Ensuite, les Décolor Stop. 20 lingettes. Ça, j'adore aussi. Pour éviter les accidents de couleur. Donc, voilà. Et franchement, ça sent super bon. Hein. Ça sent encore la lessive Eleanor. Voilà, on va continuer. Donc, comme je vous ai dit, je prends par ordre. Quand j'avais acheté ma palette d'Huda Beauty, la rose quartz, j'ai eu des échantillons, l'interdit de Givenchy. Et ça sent exactement pareil que le parfum Nox, l'équivalence de Nox. Donc, bah, je ne l'achèterai pas hein, ou je ne me le ferai pas offrir. Parce que je ne vois pas du tout la différence. Entre le parfum Nox, je vous envoie sur le site de Parfum Nox, vous avez mon lien d'affiliation en barre d'infos. Vous tapez l'interdit de Givenchy, l'interdit tout simplement sur Nox et vous aurez l'équivalence. Et c'est exactement pareil, hein, c'est la même odeur. Et je l'adore, c'est vraiment une très bonne senteur. C'est la fleur Underwood, une fleur blanche traversée d'un accord boisé sombre. Voilà, donc ça vraiment, je vous le recommande dans les parfums Nox. En parlant de parfums, j'ai terminé le Trésor de Lancôme en eau de toilette. Celui-ci, ça faisait des années que je l'avais. Et du coup, je garde le parfum pour le ramener chez Sephora. Voilà, vous voyez, il est bien fini. Ça m'a duré des années, car j'ai beaucoup de parfums. Je tourne avec plein de parfums. Et bien franchement, il n'a pas du tout... L'odeur ne s'est pas du tout altérée, donc bah franchement, je l'adore. Hein. Mais j'avoue qu'au bout de toutes ces années, je m'en suis quand même lassée. Je préfère la Nuit Trésor, d'ailleurs, que j'ai en équivalence, que j'aime beaucoup. Et je garde le flacon de côté pour le ramener chez Sephora. Et Marionneau aussi les reprennent et je crois que vous avez 20% dessus. Donc gardez bien vos flacons vides. D'ailleurs, j'en ai un autre dans le panier. Donc ça, si vous aimez les odeurs un peu parfum bien présent, bah, craquez dessus. Hein. Franchement, moi, j'avais pris en eau toilette et rien qu'en eau toilette, il tenait toute la journée. Je l'ai adoré. Mais j'avoue que là, vers la fin, je commençais à m'en lasser un petit peu. Ensuite, on va rester dans les... Hop là. On va rester dans les adoucissants de lavage. J'ai terminé le Silane, c'est ce qu'on trouve chez Action, c'est l'adoucissant Sensuality, huile essentielle de rose et pivoine. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait bien son job. J'ai quand même une préférence pour l'Eleanor, hein, j'avoue. Mais celui-ci sentait très bon aussi hein, et c'est beaucoup moins cher. Pourquoi pas le reprendre quand j'irai chez Action? C'était vraiment très bien, je vous le recommande. Je préfère ça que les billes de
les billes de lavage. Vous savez, les billes parfumées de chez Action, franchement, elles sont nulles. Enfin, pour moi, elles sentent, ça sent rien du tout. Le linge, il sent pas du tout chez Action. Je vous les conseille pas du tout. Mais par contre, les Silane ou Silan, l'adoucissant en liquide, ça, je vous le recommande. Alors ensuite, on va continuer dans les sachets parfumés dans les penderies. Voilà, donc ça a duré 45 jours et c'est vrai, ça dure 45 jours. C'est de la marque Ambar, je l'avais acheté sur le site de Bulle de Beauté. Donc c'était parfum fraise chantilly, j'ai vraiment adoré. Donc celui-ci est vide, hein. Enfin est vide, il a été consommé, hein, 45 jours. Ça sent encore, hein. Mais quand ils disent 45 jours, oui, ça dure bien, même un petit peu plus que 45 jours. Ça m'a presque duré près de 2 mois. Donc là, je l'ai remplacé dans ma chambre, dans la penderie, j'ai mis framboise. Et dans notre dressing, j'ai remis fraise chantilly. Voilà, j'en ai encore 6 de côté. Ça, c'est 2 € pièce sur le site de Bulle de Beauté. Je vous le recommande parce que ça parfume... Ça parfume bien vos placards et ça sent divinement bon. Alors ensuite, bon, on va passer par ça. Je vais en parler vite fait. Si vous avez vu mes vlogs, vous savez ce que j'en pense. Dans ma dernière vidéo des produits terminés, d'ailleurs, il y en a un de cette marque-ci, Lashley Beauty, le orange, que j'avais mis d'ailleurs dans la miniature. Le orange, il fait parfaitement son job. Le orange était pour la pousse des cheveux. Bah alors celui-ci, Good Hair Woman, c'est censé être un anti-shoot de cheveux. Et bah franchement, c'est nul, 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 nul. Vraiment très, très nul. 24,90 € ou 22,90 €, je ne sais plus du tout. Enfin, c'est extrêmement cher. Alors, ce sont des gummies vegan. Vous avez 60 pièces. Ça ressemble à des petites étoiles. Je vous l'avais montré dans mes vlogs, dans un de mes anciens vlogs. Cheveux de Vénus, fer, MSM, zinc, délicieuse gummy. Déjà, je trouvais qu'elles étaient un petit peu moins bonnes de goût que les oranges. Mais ça, à la limite, c'est pas grave du tout. Mais c'est surtout que ça fait pas du tout son job. Au bout de presque une dizaine de jours, j'avais toujours les cheveux qui tombaient autant. J'ai repris mes forks à pile et il n'y a pas eu de souci. Au bout de 2-3 jours, je voyais que déjà que ça commençait à se stopper. Donc ça, je vous le conseille. Je ne vous le conseille pas du tout et je ne le rachèterai pas. Par contre, la cure orange est plutôt bien. Si j'ai besoin un jour d'avoir les cheveux, qui poussent rapidement, ben, je reprendrai les oranges. Mais alors, ceux-là, non, non, non. En plus, ça coûte pratiquement aussi cher une cure de 1 mois comparé aux forks à pile qui, eux, font leur job. Ça, ça dure 1 mois et c'est zéro. Enfin, pour moi, c'est zéro, hein. Ensuite, j'avais acheté, du coup, j'étais tellement contente de la cure orange que, du coup, j'ai pratiquement acheté les deux, vous avez dû voir dans les vlogs, à 1 semaine d'intervalle. J'avais acheté ceci en premier et on s'était trompé, on avait pris ce... Non, j'avais pris celui-ci. C'était pour celui-ci qu'on s'était trompé. Bon, enfin bref, c'est le Good Skin. Donc ça, c'est pour la peau. C'est à l'acide hyaluronique, coenzyme Q10, vitamine C. Donc c'est toujours des vitamines boost. C'était censé pour améliorer la peau. Alors, j'ai toujours la peau aussi sèche des jambes et j'ai pas trouvé que j'avais la peau plus repulpée. Ça, c'est pareil, je vous conseille pas du tout. C'est très, très cher et je rachèterai pas. À part la cure orange, je rachèterai pas du tout. Ensuite, j'ai terminé un Dove, donc un déodorant Dove en petit format. Efficacité 48 heures. Il y a 1/4 de crème hydratante Beauty Finish. C'est de la gamme Beauty Finish. Bon, 48 heures, franchement, je ne sais pas, hein, je me lave au moins 2 fois par jour, donc je ne sais pas du tout. Par contre, je suis pas sûre que ça tienne vraiment 24 heures. Hein. Même en ne bougeant pas tellement, ça dure pas 24 heures. Donc 48 heures, moi, je suis pas d'accord, mais ça fait quand même bien son job. Et l'odeur était plutôt pas mal. Voilà, 1/4 de produit de crème hydratante, j'aime beaucoup. Actuellement, dans ma salle de bain, j'ai le Ushuaïa à la vanille en roll-on. Alors ensuite, j'ai, ça devrait être le parfum de tout à l'heure, l'interdit de Givenchy, hein, que je vous ai montré, hein,
qui sont très très bons. Et je vous ai dit l'équivalence de Nox, c'est beaucoup moins cher et c'est exactement le même. J'ai même comparé, quand je vous l'ai dit, hein, quand j'ai acheté la palette Huda Beauty, début novembre, quelque chose comme ça, j'ai vaporisé celui-ci avec le Nox et franchement, il n'y avait pas du tout de différence, hein. Franchement, c'était pas mal, hein. Alors ensuite, on va continuer par quoi? Par une bougie que mon abonnée Véronique m'a envoyée. Elle m'a envoyé un colis surprise. Si tu passes par là, ma belle, je te fais d'énormes bisous. Voilà, c'était la gagnante de la palette que je vous avais fait gagner à la rentrée. C'était la New Romance ou la Romance, je ne sais plus du tout. C'est la grande palette qui est sortie à la fin de l'été. C'était plutôt des couleurs automnales. Hein. Oui, je crois que c'est sorti entre. Non, c'est sorti au mois d'août. J'ai eu du mal à la trouver en vacances. Enfin bref, et donc elle avait remporté la palette. Et elle a voulu m'envoyer un colis surprise, vraiment un colis au top. Et donc, elle m'a envoyé cette bougie de Airwick. Je crois que c'est Airwick. Je ne sais plus du tout. Ça venait de chez Action, il me semble. Et bah, ça se diffusait super bien. C'était d'une odeur un peu épicée. Et ça s'est plutôt bien consommé, hein, vous voyez. Vraiment très, très bien. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Hein. Très, très belle surprise. Ensuite, j'ai terminé des salles de bain de chez Action. Alors, ça sentait le Bubble Gum. Vous savez, c'est les éditions qui font une fois par an. Ils changent juste les packagings. C'est une édition un peu sirène. Bon, ça sent bon sur le coup. Ce sont des perles de bain, il me semble. Franchement, non, ça tient pas dans l'eau. Hein. Enfin, ça colore presque pas l'eau. Et l'odeur, par contre, quand vous sentez dans le paquet, ça sent la fraise, le chewing-gum à la fraise. Presque la fraise Tagada, d'ailleurs. Mais dans l'eau, au bout de 2 minutes, ça sent plus rien. Hein. Si vous voulez vraiment de très très bonnes boules de bain, bah, allez chez Lush. Les petits produits de chez Action, c'est bien pour colorer l'eau. Mais point de vue odeur, non, c'est zéro. Hein. Cela dit, c'est pas les mêmes prix que Lush. D'ailleurs, ça me donne envie, dans pas longtemps, d'aller chez Lush. En parlant de Lush. Voilà, ensuite j'ai terminé. Ben, il en reste un tout petit fond. Je sais pas si vous verrez. Alors ça s'est enlevé. C'est un produit Gaumont. J'en ai un autre d'ailleurs. J'avais acheté pendant les vacances. C'était un produit breton. Voilà. Avec. Oh là là, l'odeur, c'est une tuerie. J'ai adoré. C'était pas trop abrasif sur la peau. C'était un produit pour le corps. Ça sent super bon. J'en ai un autre. J'ai bien fait d'en acheter deux. C'est un gel douche et qui gomme en même temps. Et vous avez des petites particules de sable, comme vous voyez. Et vous avez peut-être du sucre dedans. Bah, franchement, rien que l'odeur, c'était une tuerie. C'était peut-être entre 4 et 5 euros. Alors, par contre, tout est effacé, hein. C'était un produit breton, mais on pouvait retrouver sur le site internet. J'ai pas pensé à prendre une photo de l'autre gel douche. Voilà, je l'avais trouvé pendant les vacances, vous voyez. Vous avez des restes de produits. Il y avait comme du sable, des grains de sable. Et vous aviez comme du sucre, ça gommait très très bien. Et en plus, ça faisait douche et gommage en même temps. Et c'est surtout l'odeur, je ne peux pas vous la décrire. C'était vraiment une tuerie. Heureusement que j'en ai acheté deux. Il est vraiment, vraiment top. Hein. J'ai adoré. Si je retourne au même endroit en vacances l'été prochain, et qu'il y ait encore, je pense que je vais craquer pour de nouveau ce produit-ci. J'ai terminé un L'Oréal Elsève. C'est le Lisse Caresse. C'est un spray lissant démêlant sans rinçage. L'odeur, c'était une tuerie aussi. Voilà, et c'est surtout que ça faisait briller les cheveux et ça les démêlait bien. Voilà, ça, c'était sur mon lieu de vacances. Moi et ma fille, on s'en servait beaucoup. Je l'avais mis de côté l'année dernière. Je m'en suis resservie ces vacances-ci et je l'ai fini. Mais tant qu'on n'avait pas le temps de faire un démêlant, une crème démêlante, un après-shampoing ou un masque. Et bien ça, franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Hein. Vraiment très très bien. Rien que l'odeur, moi, de toute façon, la marque L'Oréal, tous les produits L'Oréal, j'ai jamais été déçue pour l'instant. Hein, dans mes souvenirs, je ne pense pas. C'est le Lisse Caresse spray lissant démêlant sans rinçage. Lissage fluide,
toucher soyeux, démêlage instantané, non alourdissant. Vous avez de la microkératine MK plus thermoprotect. En plus, ça protégeait des séchoirs et broches chauffantes, etc. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Hein. Vraiment, c'était un gain de temps et les cheveux étaient doux et brillants. J'ai terminé un savon pareil que j'avais acheté il y a au moins 2 ans pendant les vacances. Il est dans ma cuisine. Rien que le petit packaging, ça me faisait penser un peu à un pot de camembert. Ça vient de Provence, Made in France. C'est le savon Orient, savon traditionnel 100% végétal. Voilà, j'aurais dû faire une photo avant parce que là, je vais pas faire une photo du savon qui est entamé dans les 3/4. C'est un savon marron. Voilà, je ne vais pas vous le prendre en photo dans ma cuisine. Ça sent super bon. Et l'odeur, elle me fait penser à... Alors, un parfum d'Yves Saint Laurent. Je ne vais pas arriver à trouver. Opium d'Yves Saint Laurent. C'est exactement la même senteur du parfum. Voilà, Opium d'Yves Saint Laurent. Je l'ai eu en eau de toilette. Parce qu'en eau de parfum, pour moi, c'est beaucoup trop fort. Ça fait un peu... On ne va pas dire c'est un parfum de... De femme un peu plus âgée. Si ça... En eau de parfum, Opium d'Yves Saint Laurent, je trouve que c'est quand même pour des femmes d'un certain âge. Non pas que je sois jeune non plus, mais ce savon-ci, c'est vraiment Opium d'Yves Saint Laurent. Moi, je l'avais à un moment, mais en eau de toilette. Voilà, en eau de toilette, je l'adore. Et ce savon-là, dès que je l'ai senti en magasin, c'était il y a 2 ans, c'était bien avant Covid, et ben franchement, ça sent exactement Opium d'Yves Saint Laurent. D'ailleurs, ça s'appelle Orient European de luxe. C'était vraiment une tuerie. Alors, celui-ci, vraiment, pareil, si je le retrouve un jour en vacances et que j'ai fini tous les savons que j'ai à finir, je me le reprendrai, c'est sûr. Ensuite, on va rester dans les gels douche. Enfin, tout ce qui est produits soins, etc. J'ai terminé un DOP, douche crème, douceur d'enfance au parfum de myrtille sauvage. Un quart de crème hydratante pH neutre. Ben un peu comme le... Non, c'est pas DOP. Hein. C'était Dove. Je confonds Dove et DOP. Voilà, c'était vraiment une super odeur. J'ai adoré. Ça sentait bon la myrtille. Ah ouais, vraiment, je ne le connaissais pas celui-ci. J'ai adoré. Voilà, c'était marqué nouveau. Un quart de crème hydratante pH neutre. Mais par contre, je trouvais quand même qu'il faut, après n'importe quel gel douche, à part le Nivea, le grand bidon bleu, où là, vous n'avez pas besoin de mettre de lait pour le corps, mais avec n'importe quel gel douche, bon, celui-ci, comme il gomme, vous avez pas forcément besoin de mettre une crème hydratante, mais avec tous les autres gels douche, moi, je suis quand même obligée de mettre une crème hydratante. Celui-ci, je l'adore. Hein, les DOP, de toute façon, je les adore. Ensuite... On va passer par quoi? Ben, un autre complément alimentaire. Vous voyez, c'est pas dans l'ordre. Il m'en reste quelques-unes, mais ça faisait un petit moment que je les avais entamées, celles-ci. C'est de la marque Luxeol. Je les avais reçues gratuitement. Voilà, par la plateforme Ivancy ou Ivanchi, je sais pas comment ça se dit. C'est le levure de bière revivifiable Luxeol. Tout le monde connaît cette marque-ci. Avec vitamine B3, vitamine B8, sélénium, zinc. Santé et beauté, cheveux, peau et ongles. Bah, écoutez, moi, pour les cheveux, je trouve pas que ce soit si efficace que ça. Les ongles, moi, mes ongles, ils poussent relativement vite. Et pour la peau, j'ai rien vu de spécial. Par contre, ça sent fort, fort, la levure de bière. La levure de bière, c'est assez fort, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment très, très fort. Hein. Non, j'ai pas spécialement apprécié. D'ailleurs, il en reste un petit peu. Non, j'ai pas tellement accroché avec cette cure-ci. Hein. Voilà, en plus j'étais à la limite de la date. J'ai voulu la tester, mais j'ai pas tout à fait fini. Un autre parfum que j'ai fini, que j'avais eu pour mon anniversaire, un de mes cadeaux d'anniversaire il y a au moins 4-5 ans. Moi, les parfums, je les garde vraiment très très longtemps parce que j'en ai beaucoup et donc je change pratiquement tous les jours. Je vous ai même pas montré, c'est la petite robe noire, mon eau de toilette fraîche. Pour la petite histoire, je l'avais reçu ce parfum-ci avec la palette Too Faced, la chocolate bar, vous savez, la première, la marron. Voilà, c'était une de mes premières palettes de luxe.
Non, la toute première, je crois que c'était la Nikki de 2. Voilà, c'était ben, c'était juste avant que je fasse mes vidéos YouTube. Alors, ça fait peut-être plus que 5 ans, hein, celle-ci, hein. Ça fait peut-être 6 ou 7 ans. Bon, enfin bref, peu de temps après, j'ai dû commencer ma chaîne YouTube. Et ben franchement, j'ai adoré. Moi, j'ai la petite robe noire en classique, voilà, le gros flacon violet, là, vous savez. Mais celui-ci, c'est version un peu plus douce. Il y a quand même de la cerise griotte. Je l'ai adoré, celui-ci, hein. Donc, c'est de Guerlain, hein, j'ai oublié de vous dire. Tout à l'heure, c'était Lancôme, hein. Donc, j'ai du coup deux flacons vides, vu que j'ai des parfums à offrir à Noël. Bah, du coup, je les garde. Voilà, surtout ne les jetez pas. Gardez-les pour pouvoir les ramener chez Sephora ou Marionneau. Ils vous les reprennent, je crois, 20%. Par contre, ce n'est valable que pour les parfums, pas sur les coffrets, hein, je ne pense pas. Ensuite, on va rester dans les parfums. Le Irrésistible de Givenchy. Fait exprès, je l'avais aussi, j'ai vérifié dans les parfums Nox que j'avais reçus. Ça, par contre, j'ai pas testé pour voir si c'était la même odeur que le parfum Nox. Pour moi, oui. Mais j'ai pas testé, j'avoue, comparé à l'interdit de Givenchy, j'ai testé. Mais celui-ci, je l'ai aussi en équivalence de Nox. Mais j'ai pas fait la comparaison entre mon parfum Nox et celui-ci. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Le Irrésistible de Givenchy. Il y a plusieurs déclinaisons de ce parfum maintenant. Donc, l'anti-morose, c'est un floral boisé fruité. La danse d'une rose pulpeuse et d'un bois blond lumineux. Pourtant, je suis pas tellement fan des parfums à la rose. D'ailleurs, l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, il me semble qu'il y avait un peu de rose. Eh bien, franchement, j'ai vraiment adoré. Et je l'ai en équivalence de Nox. Par contre, pour Nox, j'ai pas comparé, mettons, le vrai ici et le Nox à côté. Non, j'ai pas pensé, j'avoue. Mais là, j'en ai plus, donc je ne peux pas faire la comparaison. Et ça, c'est pareil, je l'avais eu avec l'achat de ma palette Rose Quartz de Huda Beauty. Alors ensuite, on va continuer par quoi? Ah oui, un gel douche que j'avais reçu dans un petit coffret. Voilà, c'est la nouvelle collection de Noël que je pense que je vais retrouver dans le calendrier de l'Avent de Yves Rocher. D'ailleurs, j'ai hâte d'ouvrir mon calendrier mercredi, mes deux calendriers, le gros Body Shop et le Yves Rocher. Je sais qu'il y a des nouveautés, il y a la collection, parce que moi j'ai déjà regardé le unboxing. Il y a le chocolat orange, il y a au moins un ou deux produits des nouvelles collections. Celui-ci, c'est à la mûre gourmande, je crois. Et ben franchement, j'ai adoré. C'était un format de 50 ml. Il n'y a que moi qui l'ai utilisé, celui-ci. Et franchement, j'ai adoré, hein. Bon, par contre, les gels douche Yves Rocher, pardon, je trouve qu'ils sont un petit peu asséchants, mais les odeurs sont divines. Donc, je suis très très contente d'avoir craqué pour le calendrier de l'Avent Yves Rocher. En plus, petit aparté dans le coffret que mon ami m'avait offert. Tu passes par là, ma belle. Je te fais d'énormes bisous. Et ben, j'utilise tous les matins. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon manteau. Le baume à lèvres Mûre Gourmande que j'adore. Ça me fait, je vous l'avais dit dans un de mes vlogs, ça me fait penser à une ancienne collection d'Yves Rocher qui date il y a une dizaine d'années, voire même plus, où c'était à la mûre, c'était un peu plus sucré. Là, c'est une mûre un peu plus acidulée. Donc, la collection de Noël, elle a l'air vraiment top. J'ai hâte de sentir, enfin, dans mon calendrier de l'Avent, je crois que j'ai au moins un ou deux produits de l'orange au chocolat, au Pimm's à l'orange chocolat, là. Ça ressemble un peu. J'ai hâte de pouvoir sentir cette odeur parce que chez Yves Rocher, du coup, j'ai pas senti l'odeur. J'y suis allée, mais j'ai pas du tout senti l'odeur. Alors ensuite, on va passer par quoi? J'ai fait un petit peu de tri make-up. Ah oui, alors ça, je vais vous le montrer vite fait. Je vous ai fait un petit crash test en short, là, il y a quelques jours. C'était après mon premier retour de course. Je vous ai fait une petite vidéo de 10 secondes que j'ai postée aussi sur TikTok. C'est le Mixa Intensif Nourrissant Rouge Cerise. Ça colore légèrement en rouge. C'est pas ce que je porte sur les lèvres. Par contre, il est bien, il colore bien les lèvres, mais je trouve pas qu'il soit très très nourrissant comme le Mixa
classique, hein. Mixa intensif, non, je trouve qu'il colore bien les lèvres. Mais si vous avez vraiment les lèvres gercées, à part colorer, c'est pas assez nourrissant. Je voulais quand même vous en parler, faire un petit retour, malgré que c'est un produit totalement neuf, hein, que j'ai utilisé quelques fois. Voilà, mais pour moi, c'est pas assez nourrissant pour ma part. On va rester dans les baumes à lèvres. J'ai terminé, ça c'était vraiment un de mes chouchous aussi. C'est le Labello Vanilla Butter Crème. Donc, c'est Butter Crème, c'est glace à la vanille, je crois. Oh, ça sentait super bon. Vraiment, on avait l'impression de manger une glace, enfin de s'hydrater les lèvres avec comme une odeur de glace un peu Häagen-Dazs. Vous voyez, Häagen-Dazs. Voilà, vraiment le Labello, j'ai adoré. Ils en font plein des Labello, hein. Pastèques, fraises. Je les ai pratiquement tous, hein, d'ailleurs. J'adore trop. J'adore trop les Labello. Ben, tout ce qui est baume à lèvres, de toute façon, j'adore. Ensuite, pareil, je vous avais fait un petit short, je crois, sur YouTube et TikTok. C'était une bombe de bain à la cerise qui venait du site de Bulle de Beauté. Franchement, j'ai adoré comparer. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer les deux oh, comment ça s'appelle? Aux perles de bain, là, d'Action, où c'est pas terrible, terrible. Où ça sent 2 minutes et ça colore presque plus l'eau. Et bien, la bombe de bain de chez Bulle de Beauté à la cerise, c'était vraiment une tuerie. J'ai vraiment bien bien aimé, franchement, ça colorait bien l'eau et surtout l'odeur, elle restait bien dans le bain cette fois-ci. Hein. Pareil, je vous avais fait une petite vidéo TikTok que j'ai mis aussi en alternance comment vous dire, en short de YouTube. Alors ensuite, vous ne voyez pas souvent des dentifrices dans mes produits terminés. Excusez-moi, il est tard. Voilà, c'est un Colgate Total car on en a entamé plusieurs, chacun son dentifrice. Donc on en a enfin fini un, c'est le Colgate Total que j'avais acheté au promo Beauté Leclerc, mais de 2020. C'était l'année dernière. J'avais acheté un lot de 2 ou de 3. Donc celui-ci, c'est le Colgate Fluoride Tout Proust Total. Enfin bref, visible action. Donc ça, c'est plutôt bien. Et vous avez des petites billes bleues au milieu de la pâte blanche. Je pense que vous voyez une petite bille bleue. Et ça, moi qui suis maniaque, c'est vrai que ça tache un peu le lavabo. Bon, il suffit après de donner un petit coup, hein, c'est pas grave. Mais j'ai bien aimé et ça a une bonne odeur de menthe. Une fois que vous êtes lavé les dents, vous avez une bonne odeur de menthe. Très agréable. J'en ai encore au moins 2 en stock. J'ai plein, plein, plein de stock. Que ce soit les dentifrice, gel douche, etc. Là, j'essaye de finir de puiser dans mes stocks par ordre de priorité. Enfin, j'essaye parce que là, je sais pas si vous avez vu mon dernier haul Bulle de Beauté. Je suis en train d'utiliser le gel douche en forme de mousse chantilly. Voilà, je vous renvoie sur mon dernier haul Bulle de Beauté, eh ben, j'adore vraiment. Par contre, je ne l'utilise pas pour les cheveux. Je n'ai pas encore testé. Voilà, petit aparté. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est hydratation, crème pour le visage. J'ai terminé le Diadermine Expert Fondamental que j'avais acheté chez Noz il y a au moins 2 ans. J'ai regardé par rapport aux dates de péremption. C'était périssable en 2022, il me semble. Donc, j'ai fini la crème, même si ça ne se voit pas. C'était en mars 2022. Alors, c'était correcteur anti-tache. Donc, c'est la marque Diadermine. Je ne l'avais payé que 2,99 €. Je pense qu'en grande surface, c'est pas loin des 7 ou 8 euros. Bon, c'était plutôt pas mal. Application après application, la peau semble plus uniforme et plus lisse. Dès 6 semaines d'utilisation régulière, les taches apparaissent éclaircies, la peau est régénérée et retrouve son éclat naturel. Pour un teint plus uniforme et une peau d'apparence plus jeune, il y a dedans du protolyase, je ne sais pas ce que c'est, hein, actif. Ah, c'est un actif qui aide à réparer les dommages de l'ADN identifiés dans le cadre des recherches récompensées par un prix Nobel, etc. Bon, j'ai vu quelques petits effets, mais rien de transcendant. Non, je ne reprendrai pas. Ça dit chez Noz, c'était pas cher du tout. Hein.
Voilà, donc ça, c'était bien. J'ai quelques petites taches là dues au soleil, mais que je vois plus d'effet avec la gamme aux jouvences. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous incite à... Enfin, je vous... Bah, allez la voir, hein, tout simplement. Je vous ai fait des crash tests avec la nouvelle gamme aux jouvences. Voilà, donc ça, non, bon, c'est pas le même prix que les produits aux jouvences, mais j'ai trouvé que c'était moyen. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors, ça, c'est un de mes gros, gros chouchous. D'ailleurs, j'en ai au moins 4 ou 5. J'en ai encore au moins 4 en backup. Ça vient de chez Action. C'est pas cher du tout. C'est de Petit Nature, Shea Butter. Shea Butter, je crois que c'est beurre de karité. Vous voyez, je l'ai fini vraiment, vraiment fini. Hein. Il n'y a plus rien du tout. C'est comme une espèce de vaseline qu'on met le soir. Ah, mais il en reste un tout petit peu. Qu'on met le soir sur les lèvres, on peut en mettre autour des cuticules. D'ailleurs, ce serait bien que je le fasse. Vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilisais aussi pour les talons des pieds. D'ailleurs, je l'ai fini comme ça, sur les talons des pieds. Je crois que c'est au beurre de karité. Je ne sais jamais. Shea Butter. Ça doit être beurre de karité, je pense. Alors, j'en ai au moins encore 3 en backup et je regrette pas. Oula, je regrette pas d'en avoir pris car je crois que chez Action, on ne le trouve plus, du moins pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui est marqué? C'est un baume multi-usage. Alors, baume apaisant multi-usage pour lèvres et peau sèche. Les cuticules pour les cuticules des ongles. Voilà, moi je l'appliquais aussi sur le talon des pieds. Bon, il faut pas mettre ça sur le visage, hein, c'est relativement gras. Je vous fais voir. Voilà, ça c'était vraiment une tuerie. Ça faisait un peu comme une vaseline, on a l'impression. Mais par contre, ça hydratait super bien les lèvres. Je le mettais de préférence le soir. Et pour les talons des pieds, comme vous voyez à travers, il n'y a vraiment plus rien. Je regrette pas d'en avoir 3 autres en stock. J'ai Shea Butter et j'en ai un autre d'un autre parfum. Je ne sais plus du tout. Et si vous le trouvez chez Action, celui-ci, foncé, c'est une tuerie. Mais je n'ai pas testé sur les cuticules par contre. On va rester dans les crèmes. Non, on va passer par ça avant. J'ai terminé, bah, ça je vous le montre souvent. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché. Les deux autres, je les ai rangés dans mon placard de salle de bain. Mais je vous en parle parce que ça, c'est un de mes chouchous, hein, pour les jambes et les aisselles. C'est le Vénus Gillette Confort à la crème de vanille. Vous avez 3 lames dedans et vous avez l'espèce de petites crèmes pour pas vous couper. Vous savez que quand vous passez le rasoir, vous avez cette petite crème qui fond un peu sur la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour protéger, justement. Ça vous évite, mettons, de mettre de la mousse de rasage. Voilà. Et il y en avait 4 dedans. Par contre, ça coûte relativement cher. Hein. C'est pas loin des 14 euros en grande surface. Mais c'est vraiment très, très efficace. Hein. Ça, il m'en reste 2. Je les ai mis dans ma salle de bain, mais je vous en parle quand même, car c'est quand même dans les produits terminés. Et ça, je les achète souvent. Soit j'achète vanille, soit j'achète l'autre, que j'ai d'ailleurs en stock. Mais c'est vrai que c'est pas donné, hein. C'est pas loin des 14 euros, il me semble. 14 euros pour 4 rasoirs, hein. C'est vrai que c'est pas donné quand même. Alors ensuite, j'ai terminé. Ah, ça, c'était vraiment une tuerie, point de vue, odeur, efficacité. C'est sur le site d'Eva Beauty Access. C'était une crème que j'avais achetée l'année dernière, qui était valable 6 mois. Voilà, bon, je l'ai utilisée un petit peu après les 6 mois, mais je l'ai finie sur mes pieds et sur mon corps. Mais c'était vraiment super. C'est de la marque Volare. C'était au lait de chèvre et à l'acide hyaluronique. Voilà, bon, c'est, je crois que c'est une marque polonaise. Rien que l'odeur, c'est une tuerie. Et ça hydrate super bien la peau. Franchement, j'avais les talons des pieds hyper secs. Donc, comme la crème, ça faisait au moins plus de 8 mois que je l'avais utilisée et que c'est marqué 6 mois. Bon, elle était valable jusqu'en août 2022, mais à condition de ne pas l'avoir ouverte. Bon, là, voilà, c'est marqué 6 mois, hein. Donc, je l'ai terminé sur mes talons de pied. Le lendemain matin, j'avais comme des pieds de bébé. Ça, franchement, j'ai adoré. C'est un tout petit prix sur le site d'Eva Beauty Access. Et c'est vraiment une efficacité comme ça.
D'ailleurs, petit aparté, encore une fois, vous avez l'habitude dans mes vidéos, j'ai passé quand même une big commande chez Eva Beauty Access. J'ai recommandé une crème au rétinol. Je vous spoil un peu ma future commande. Ça dépend quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo-ci, mais je pense que je n'aurai pas encore reçu ma commande. Eh ben, je ne crois pas que ce sera de la même marque, ce ne sera pas Volare, je crois. Vous voyez, c'est écrit tout en polonais. Hein. Eh bien, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce produit-ci. Il n'y en a plus sur le site d'Eva Beauty Access. Mais ça, je l'ai appliqué surtout le soir. Mais vu qu'entre-temps, j'ai eu d'autres produits à tester et que cette crème-là, je ne voulais pas la jeter, hein. Ben, je l'ai fini sur mes talons et même sur mes jambes. Moi qui ai les jambes hyper sèches, eh bien, franchement, le lendemain, je voyais le résultat. Hein. Les pieds, ils étaient vraiment très, 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 très bien réparé. Voilà, franchement, une tuerie. Il en faut une toute petite quantité, car c'est relativement, on va pas dire gras, mais il en faut vraiment une toute petite noisette. Hein. J'ai vraiment adoré. J'ai regardé quand même s'il y en avait sur le site, parce que rien que l'odeur. Et quand j'ai vu les résultats sur mes pieds, à la base, c'est pour le visage, hein, vous allez me dire. Mais comme j'utilisais le soir et qu'entre-temps, j'ai eu d'autres produits à tester, eh ben, je l'ai fini sur les pieds. Mais si jamais je repasse dans 2 ou 3 mois, enfin je ne sais pas quand, une commande chez Eva Beauty Access et je vois qu'il est encore en stock, eh ben, franchement, je recommanderais pour l'utiliser comme crème pour les pieds. Alors ensuite, j'ai fait du tri dans mon make-up. Ça, c'était dans un petit kit de chez Action. Voilà, c'était de la marque Fab Factory, je crois. C'est un eyeliner un peu pailleté que j'ai utilisé très très peu de fois. Alors, je vais essayer de vous faire un petit trait d'eyeliner. Mais il m'inspire plus confiance. Vous voyez, ça s'est départagé la matière. J'ai l'impression, non, il marque plus du tout. Je ne sais pas si on verra. Ah si, pourtant, ça se voit quand même. Bon, écoutez, je préfère le jeter. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. C'est dommage parce que la couleur était plutôt belle. Ouais, mais bon, dans le doute, les produits crèmes, de toute façon, en make-up, il faut vraiment pas trop en acheter parce qu'il faut les consommer assez rapidement. Voilà, ça donnait ça. Un effet un peu rose gold. Mais quand j'ai vu qu'il se départageait comme ceci, il faut bien regarder vos produits make-up. Je préfère le jeter. Donc ça, les petits kits de chez Action au moment de Noël, je ne vous les conseille pas. Hein. Enfin, du moins, cette marque-ci, Fab Factory, c'était un tout petit kit. Il y avait des petites mini palettes. Et donc, ce produit-ci, j'ai pas du tout... je m'en suis pas tellement servi. Surtout, les petits fards à paupières n'étaient pas top. Par contre, quand je vois la couleur, là, c'est plutôt pas mal. Mais l'aspect a changé, donc je préfère m'en séparer. C'est un petit peu long, mes explications. Hein. Pareil, ça, c'est ce que j'avais dans un calendrier de l'Avent de chez NYX. Il y a au moins 2 ans, ça a changé de texture. Voilà, c'était un highlighter doré. Mais alors, allez mettre ça sur le visage. Je l'avais mis, celui-ci, au-dessus d'un rouge à lèvres rouge. Quand j'ai fait l'unboxing du calendrier de l'Avent Adopt, j'ai essayé de le détourner. Vous voyez, déjà, la matière, elle n'est pas terrible. J'ai essayé de le détourner au-dessus d'un rouge à lèvres rouge pour que ça fasse, que j'en ai mis un petit peu au milieu des lèvres. Mais ça, franchement, sur le visage, qui va se tartiner d'un doré comme ça sur le visage? Sur les yeux, j'ai pas eu confiance. Ouais, les derniers temps, les calendriers de l'Avent NYX, que ce soit les 2 dernières années, déjà, j'ai vu des unboxings de calendriers de l'Avent NYX de cette année. Et ben franchement, on a l'impression que c'est exactement le même que celui de l'année dernière. L'année dernière, je ne l'ai pas du tout acheté. Mais franchement, ça en highlighter, c'est juste pas possible. Hein. Je vois pas qui peut se mettre ça en highlighter. Franchement, dites-moi si vous metteriez ça comme highlighter sur votre peau. Enfin, ici du moins. Là, j'ai mis de l'highlighter. Et ben il est discret, hein, mais je ne me vois pas mettre ça. Hein. Au-dessus d'un rouge à lèvres rouge pour les fêtes, oui, pourquoi pas. Mais c'était le NYX Away We Glow. Et la teinte, c'était, je crois que ça devait être gold.
Enfin bref, je ne sais plus. Le Golden Heure Dorée. Voilà, non, ça c'était pas top. Je l'ai très très peu utilisé et j'ose pas l'utiliser sur les paupières. Pareil, ça fait comme le produit de chez Action. Ça fait comme des bulles d'air, vous voyez, où ça se départage au milieu. Donc je préfère m'en séparer. Les deux dernières années, les calendriers de l'Avent NYX, je trouve qu'ils sont pas top, hein. Pourtant, je suis assez fan de NYX. Et non, j'ai pas du tout aimé, hein. Enfin, du moins les unboxings de l'année dernière et de cette année. D'ailleurs, ça fait 2 ans que je prends plus du tout de calendrier NYX, de l'Avent NYX. Ensuite, ça, c'est un eyeliner que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans, en 2019. Mon tout premier de calendrier de l'Avent beauté que j'avais acheté chez Action, du moins. C'est l'eyeliner. Je trouve que c'est pas pratique. J'ai pas forcément le temps le matin. Voilà, je m'en suis à peine servi celui-ci. Donc, ça se voit même pas que je m'en suis servi. Je m'en suis quand même servi. Je vous avais fait un petit crash test. Je suis pas fan des eyeliners. Déjà, je sais pas me faire une virgule comme font certaines youtubeuses qui ont un talent fou pour faire des make-up. Ou autre personne, moi je sais pas faire, hein. Je mets un trait de crayon comme ça en bas et en haut, je sais pas faire du tout. Si j'en mets un peu, c'est avec un crayon, mais avec un pinceau, j'ai vraiment du mal. Donc si c'est pour que ça traîne dans mes placards, dans mes tiroirs, je préfère m'en séparer. C'est pas pour moi, hein. Ensuite, alors ça j'ai adoré, j'ai terminé. C'est un mascara que j'avais remporté dans un concours de la marque Iconique. London, j'espère qu'avec la ring light, vous verrez, Iconique London, j'ai adoré. Il m'a duré super longtemps. Voilà la brosse. On a l'impression qu'il en reste un peu, vous voyez. Il faisait des cils de folie, franchement, une tuerie ce mascara. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup adoré. Moi, avec moi, les mascaras, ils durent quand même relativement longtemps, je trouve, hein. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, hein. Ensuite, je me sépare. C'est pareil, ça, j'avais dû l'avoir. Je crois que c'était dans un concours que j'avais remporté. C'est une palette de correction Max & More en forme de, en crème. Le 601 Neutral. Je l'ai très, très peu utilisé. C'était pour tout ce qui est anti-cerne, vous voyez. Le violet, là. Je pense que c'est pour corriger les cernes, je ne sais plus, le vert, c'est les rougeurs. Je me suis un petit peu servi de ces deux-ci pour l'anti-cerne pour les yeux. Mais franchement, je trouve que c'est pas pratique les palettes comme ceci. Ça fait bien 2 ans que je l'ai. Ça faisait 2 ans que j'avais remporté la palette dans un concours. Je sais que ça vient de chez Action, bah c'est marqué Max & More. Non, je m'en sers pas. Je vous la conseille pas non plus. Je sais pas si on la retrouve encore chez Action, mais j'ai trouvé que c'était pas terrible du tout. Ensuite, alors ça c'est pareil, je l'ai eu dans le dernier calendrier de l'Avent Action. C'est une base à paupières. Bah c'est exactement, ils ont juste changé le packaging, comme les grandes bases blanches et bleues là, j'avais pas du tout aimé. Et ben on a l'impression de se mettre de la crème. Je vais vous montrer la texture. Donc je l'ai testé au moins 10 fois. Voyons, on dirait de la crème. Franchement, ça fait pas du tout tenir. Ça fait pas du tout tenir les fards à paupières. Hein, je vous ai même pas dit. C'est un primer pour les yeux. Hein, c'est pour faire tenir donc. C'est pour faire tenir les ombres à paupières. Regardez, on a l'impression que c'est de la crème. Ça, c'est juste pas possible. Moi, j'ai les paupières grasses. Ça a une odeur de crème et ça fait pas du tout tenir, ça fait pas du tout tenir les fards à paupières. Hein, donc, je m'en suis servie au moins 10 fois. Hein, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de m'en servir pour aller au boulot et le week-end. Bah franchement, j'avais comme vous voyez, ça faisait comme un crease au milieu de la paupière. Ça tient pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les bases à paupières que je mets. Je mets la Too Faced, je mets la MAC. Et pourtant, la MAC, je trouve qu'elle est moyenne. Mais alors, celle-ci, vous avez l'impression que vous mettez de la crème. Donc, ça sert à rien. Donc, je préfère m'en séparer. Puis, je ne vais pas le donner à quelqu'un. Car je l'ai utilisé 10aines de fois. Non, ça se fait pas. Hein. Donc, ça, franchement, calendrier de l'Avent, non.
Et pareil, en petit flacon comme ceci, je ne sais plus où je l'ai mis, enfin le petit flacon que je vous ai montré, il y a le petit highlighter à tester, il faudra que je le teste. Mais j'avoue que c'est vraiment pas top. Hein. C'est exactement le même, je vous avais dit dans mon unboxing de calendrier de l'Avent Action, j'espère que ce ne sera pas la même texture. Bah si, c'est exactement pareil. Ils ont juste changé le packaging. Comme le baume à lèvres, ils ont juste changé le packaging. C'est exactement le même. Hein. Et ensuite, trois derniers produits. Pareil, ça, je n'avais pas trouvé ça top. Je l'avais acheté au magasin normal il y a 2 ans. C'était début 2020, je crois. Bah, il y a 1 an et demi, je crois. C'est un produit crème aussi. C'est un concealer qui était au tea tree. Donc, c'était pour soigner les petits boutons. Le cover stick with tea tree oil à l'huile de tea tree. Je n'ai pas trouvé que ça asséchait. Voilà, c'était un produit asséchant pour les imperfections. Je n'ai pas trouvé que c'était asséchant. C'est light medium. Non, je n'ai pas trouvé ça top. Moi, j'utilisais surtout en dessous de l'œil. Pourtant, au titri, il ne faut mieux pas l'utiliser en dessous d'œil. Je n'ai pas eu de réaction allergique. Mais comme ça fait 1 an et demi que je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Il en reste presque plus. Je n'ai pas trouvé ça top. C'était légèrement foncé pour moi. Donc ça, non, je n'ai pas aimé du tout. Et pour son action principale qui était d'assécher les boutons, ça n'a pas du tout asséché les boutons, du moins pour ma part. Hein. Donc non, ça je ne vous conseille pas du tout. Bon, je ne l'avais pas payé cher chez Normal. Et ensuite, donc il y aura ensuite un livre. Ma vidéo va encore durer longtemps, je suis désolée. Je me sépare de 2 produits. Alors ça, c'est un produit ELF, un Jumbo Eye Stick. Ça, c'est pareil, ça fait des années que je l'avais. C'est la teinte or, je crois. Il y a une référence. 30906, hashtag 30906. C'était un doré, j'ai essayé de l'utiliser. C'était sur le site, c'était marqué, c'est une ombre à paupières longue tenue. C'est pas marqué, longue tenue. Là déjà, ça fait au moins facile 7 ans que je l'ai. Je l'ai pratiquement pas utilisé, je sais, honte à moi. C'était un stick pour mettre sur toute la paupière. Par contre, il est très très bien pigmenté. Mais alors, au bout d'une heure, c'est comme le produit de chez Action, là, la base pour les yeux. Et ben, ça filait tout de suite. J'ai essayé de l'utiliser avec une base à paupières, mais je me suis dit, il est beaucoup trop vieux. Donc, je préfère m'en séparer. Et en plus, j'ai plein de teintes comme ceci. Donc, les produits crèmes, franchement, il faut vraiment vite les utiliser. Hein. C'est pour ça, acheter des produits crèmes Natasha Denona ou autres. Je dis Natasha Denona, mais des marques de luxe, on va dire. J'ai rien contre Natasha Denona, attention. Hein. Ça a l'air d'être de très, très bons produits. Mais les produits crème comme ceci, comme je vous ai montré, et tout ce qui est stick un peu crème, même les highlighters comme je vous ai montré crème, que ce soit NYX, le produit de chez Action Eyeliner, il faut les utiliser relativement longtemps. Autant les produits poudre, on peut les garder des années, mais les produits crème et surtout en stick, il ne faut pas les garder longtemps. Je me sépare aussi, pourtant il est super beau. Il est encore plus doré que l'autre. C'est un produit bio, je crois. Une étoile d'or sur ma peau. C'est pareil, ça fait très très longtemps que je l'ai. C'est de la marque De Bruyère. Je ne vous montre même pas le produit. Voilà, une histoire d'or. La marque De Bruyère. Voilà, je crois que c'est un produit bio. Crayon pailleté visage et corps. Alors, pour le corps, à part en mettre un peu ici, je vois pas pour le corps. Je me vois pas mettre ça sur le corps. Si c'était un spray, d'accord. Pareil, j'ai essayé de l'utiliser sur les paupières, mais je trouvais que ça avait changé un peu de texture. Donc, j'ai pas envie d'attraper d'allergie. Je vais essayer de vous faire une comparaison entre les deux swatchs. Entre le ELF et celui-ci, sauf qu'il est parti au fond de mon sac. Bon, écoutez, on voit bien que c'est pas tout à fait le même doré. Celui-ci était un peu plus joli,
Mais ça fait beaucoup trop longtemps. Je l'avais reçu dans un swap, celui-ci. C'était pas un swap vide-placard, hein. C'était un swap normal, hein, avec des produits neufs. Et ça fait beaucoup, beaucoup trop longtemps que je l'ai. Mais je m'en suis relativement servi beaucoup plus longtemps que le ELF. Mais là, je trouve qu'il est sec. Voilà, c'est pour ça surtout que je m'en sépare. Il commence à être sec. Et on voit que c'est pas uniforme partout. Voilà, donc les produits crème, hein, je vous le dis, je vous le répète, il faut vraiment pas tarder à les utiliser. Pareil, je vois souvent dans les vidéos YouTube, il y a beaucoup de youtubeuses qui ont beaucoup, beaucoup de fonds de teint d'entamé, mais je trouve que ça sert à rien d'avoir 36 fonds de teint d'entamé. Excusez-moi, entre-temps, je me passe un gel antibactérien. Merci Andy, parce que je vais vous parler d'un livre après. Ça sert à rien d'avoir 36 fonds de teint d'entamé. Parce que ça périme vite, hein, produits crème, tout ce qui est crème pour le visage, comme je vous ai montré tout à l'heure. La crème Eva Beauty Access, que j'ai terminée sur mes pieds, hein, parce qu'il y a quand même des dates de péremption. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, dernier produit, c'est pas vraiment. Et vous voyez, mon sac est vide, hein, mon petit panier est vide. Mais en sachant que j'ai un énorme panier comme ceci, avec tout ce qui est friandises, nourriture, etc. et produits ménagers. Maintenant, dernier produit. Oh, excusez-moi, j'ai fait un peu de bruit. On va parler d'un livre que j'avais acheté à la rentrée, je crois, au mois de septembre. Ben, c'était en allant chez Normal, d'ailleurs, dans mon centre commercial Belle Épine. On a été à la Fnac, je pense. J'ai acheté un livre donc à la Fnac. C'était Virginia Reeves. Vous avez dû le voir dans mon hall normal et autres. Voilà, normal et autres. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture et je vais vous donner mon avis. Alors, je l'ai lu, je l'avais mis de côté, je l'ai eu en au moins plus d'un mois, un mois et demi. Actuellement, j'ai un petit peu abandonné la lecture. Hein. C'est pas très, très bien d'ailleurs. Alors, le genre de roman que l'on n'oublie jamais, par New York Journal of Books. Bon, je suis pas tellement d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de pas trop spoiler. Je sais pas trop expliquer tout ce qui est film, livre, sans trop spoiler. Je m'en excuse, hein, par contre. Edmund Malinowski est en passe d'accomplir son rêve. À 36 ans, ce brillant psychiatre comportementaliste, je savais même pas que ça existait, des psychiatres comportementalistes, je n'en ai jamais entendu parler. Dites-moi en commentaire si vous saviez que ça existait, ou alors je ne connaissais pas. Hein. Vient d'emménager dans le Montana avec sa femme Laura pour prendre la direction d'un établissement psychiatrique. Passionné, charismatique, il ambitionne de réformer l'hôpital, d'obtenir la reconnaissance de ses pairs et de guérir ses patients. Surtout la ravissante Pénélope, une jeune épileptique internée de force par ses parents. Laura, donc sa femme à Edmund, Laura qui a renoncé à une carrière d'artiste pour suivre Edmund, se sent de plus en plus délaissée. Dans l'espoir de se rapprocher de lui, elle décide de donner des cours de dessin à ses patients au risque de bouleverser le fragile équilibre de leur mariage. Une déchirante histoire d'amour, d'ambition et de trahison, pardon, dans l'Amérique des années 1970. Alors ça commence, c'est sur 8 ou 9 ans. Ah, c'est Anatomie d'un mariage, hein. Je vous ai même pas montré la couverture. C'est par Virginia Reeves. Voilà, c'était un pavé de 430 pages. C'était écrit gros, c'était assez fluide comme lecture. Donc le début, je trouvais que c'était plutôt pas mal, hein. Ça se passe dans les débuts, donc 70, 71, ouais, c'est ça, août 71. Et ça se termine en 81, je crois. Donc en 10 ans, c'est sur 10 ans, voilà, c'est sur 10 ans. Et voici l'autrice, je crois qu'on dit l'autrice. Voilà, Virginia Reeves, pour la petite histoire, enseigne la littérature, l'écriture, la communication à l'université d'Helena dans le Montana. Son premier roman, Un travail comme un autre, donc qui est sorti en 2016, qui n'est pas celui-ci.
a reçu le prix Page America. Et celui-ci, le livre que je lui ai acheté donc au mois de septembre, il est paru en juin 2021. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? Donc c'est l'histoire de Edmund Malinowski, qui est donc un psychiatre comportementaliste, donc qui étudie un peu plus en profondeur la réaction un peu des patients, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et donc, il s'intéresse beaucoup à Pénélope, qui doit être moins de 20 ans, quelque chose comme ça. Voilà, il y a une certaine alchimie entre les deux. Voilà, il veut vraiment l'aider. Il lui donne des cours particuliers, enfin des cours particuliers en psychiatrie, hein, pas autre chose, hein. Et donc Laura est très jalouse de Pénélope, et bon, le cliché un peu, elle est belle, etc. Et Laura va tomber enceinte. Voilà, il va y arriver un événement dramatique à Edmund. Les dernières années de sa vie, de la lecture d'ailleurs, il va complètement changer. Bon, je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Laura et lui ne seront plus ensemble. Et c'est un peu la, on va pas dire la déchéance, mais si c'est un peu ça, la déchéance, un petit peu comme une sorte de descente aux enfers de Edmund. Donc j'ai trouvé la fin assez triste. Et dans mes souvenirs, la fin, bah, on reste sur sa fin tout simplement. La fin se finit vraiment pas bien du tout. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à expliquer les livres sans spoiler un peu. Bon, il y a beaucoup d'intrigues, d'histoires, etc. Mais il y a vraiment un événement dramatique qui va lui arriver. Et elle va changer de vie, etc. Et j'avoue que la fin, je suis très déçue. Le début était très prometteur, mais déjà arrivé au milieu du livre, je trouvais que ça commençait à devenir moyen. Donc, je vais pas dire que c'est un flop, ce livre, mais j'étais quand même relativement déçue, hein. Il était au prix de 22,90 €. Alors maintenant, j'évite d'acheter des livres papier, hein. Maintenant, j'ai une liseuse, hein. Depuis le mois de février, j'ai une liseuse. Et ben voilà, on en a fini avec mes produits terminés. Plus qu'à recycler tout ça. Mine de rien, ça fait pas mal, hein. Juste les deux parfums que j'ai mis de côté, hein. Comme pour les achats de Noël, bah, je les garde, hein. Pensez bien à les garder, hein, surtout, hein. Ils sont vraiment, c'est vraiment très très beau. Je comprends ceux qui collectionnent les flacons de parfums, hein. Voilà, j'ai surtout adoré celui-ci, Trésor à la fin de Lancôme, mais je l'avais en eau de toilette. Je commençais à m'en lasser, hein, par contre. Hein. Mais je dis pas qu'un jour je reviendrai pas sur Trésor de Lancôme. Mais alors celui-ci en eau de toilette fraîche, autant la petite robe noire, hein, je ne vous ai pas dit si c'est la petite robe noire, mais en version fraîche, eau fraîche je crois. Avec la Rinlight, c'est pas évident. C'était un 50 ml eau fraîche, eau de toilette. On verra rien avec la Rinlight, hein. 50 ml. Et l'autre, je crois que c'était un flacon de 90 ml. Voilà, je crois que l'étiquette a carrément disparu. Il y a juste le numéro. Mais je crois que c'était un 90 ml. C'était pas un 50 ml. Celui-ci, les derniers temps, je m'en étais lassée. Par contre, celui-ci, je le mettais printemps, été, hiver. Je trouvais qu'il s'accordait à toutes les saisons. Pourquoi pas le racheter celui-ci? En version eau de toilette fraîche, je pense qu'il existe toujours, hein, sur le site de Sephora, il me semble, enfin chez Sephora. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour celui-ci, hein. Voilà, bah écoutez, presque 1 heure ma vidéo. J'espère que vous aurez fait une pause. Je crois que dans ma miniature, dans mon introduction, je vais marquer que c'est une vidéo super longue. Je crois que c'est la première vidéo des produits terminés. Et pourtant, c'était un petit panier où je parle autant de temps. Voilà, je ne sais pas si c'est très français ce que je raconte. J'espère que néanmoins ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a quelques produits comme ceux-ci qui m'ont vraiment, vraiment énormément déçue. Alors que le premier flacon, je ne vais pas me répéter, mais la première cure pour la pousse des cheveux, ça avait vraiment marché du tonnerre. Mais alors celle-ci pour la chute des cheveux, franchement, ne la prenez pas, hein. Enfin, après, ce n'est que mon avis. Et rien que les gummies en goût, je trouvais déjà que c'était pas terrible, hein. Ça sentait le cassis, mais
On dirait presque que c'était un cassis qui avait tourné, je trouvais. Et pourtant, non, il n'y a pas de date. Ah bah si, il y a une date, 30 décembre 2023. Si, si, il y a toujours des dates, hein, de toute façon, hein, sur tous les produits, hein. Par curiosité, 30 décembre 2023 pour les deux. Bah franchement, les deux, j'ai été très, très, très déçue, hein. Franchement, surtout au prix où ça coûte, pas loin des 25 euros. Après, ça dépend de votre parapharmacie, hein. Voilà, moi j'ai une énorme grande parapharmacie, enfin une énorme une grande parapharmacie assez conséquente vers chez moi. D'ailleurs, le Peanut Secret, je l'utilise toujours, hein, le savon Peanut Secret. J'en suis toujours aussi contente. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir des boutons dus au masque, hein, tout simplement, hein. Mais je trouve que ma qualité de peau s'est quand même améliorée. Le Peanut Secret, par contre, j'aime beaucoup. C'est pareil, ça a été tout ça, on en a entendu parler par les gens de la télé-réalité, mais les Lashily Beauty, non, je suis vraiment pas fan. À part la cure orange, c'est tout. Et ben voilà, 1h, 1h20, 1h20, je vais arrêter de parler et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi si les longues vidéos comme ça vous dérange ou pas. Sinon, la prochaine fois, je couperai en 2 ou 3 parties. De toute façon, pour le gros panier de nourriture, soit j'irai vite sur les produits, soit je la ferai en 2 parties. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!